Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet unboxing sur Yu-Gi-Oh! Duel Link. Waouh! De l'unboxing sur un jeu virtuel. Ça m'arrange quelque part, ça m'évite de dépenser des sous-sous. Et en plus de ça, il y a Blazing Rose qui est sorti, donc si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il doit y avoir un dragon rose, dragon de la rose là. Voilà, dragon rose noir. Nice! Et je suis très intéressé, parce qu'en plus de ça, il y a 2-3 autres cartes qui sont intéressantes. Parce que je me suis mis pas mal à Duel Link, dragon de métal noir par exemple, qui est intéressante. Ou alors, fertilisant miracle. J'ai envie de jouer un deck plante dessus. Donc il y a pas mal de cartes qui sont pas mal. Le bébé dragon aux yeux rouges aussi. Parce qu'il y a aussi le truc yeux rouges, pierre noire légendaire. Voilà, il y a pas mal de cartes qui sont très 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 intéressantes que j'aimerais. Donc on va voir si la chance nous le permet. J'ai actuellement donc 1169 gemmes. Et une boîte c'est 500. Enfin une boîte de 10 c'est 500. Donc 500 fois 2 ça fait 1000. Et je pense que derrière on va pouvoir surprendre 3 packs, ça fait qu'on va pouvoir s'ouvrir 23 boosters en tout. C'est pas mal. Allez, on perd pas de temps, on commence avec 10 packs. C'est parti. Acheter. Heureusement on peut acheter avec les gemmes, parce que pour ceux qui connaissent pas, on n'est pas obligé de payer là, comme vous voyez le prix. Et il est hors de question que je paye pour des cartes virtuelles. Alors, le dragon influence. Bon, ok, monstre synthoniseur, pourquoi pas. Fleur synchronique et Nephthys métaphysique. Je connais pas cette carte. Je connais pas du tout même. Ouf. Ça sent bon ça. Oh, Kaiban plus qu'interagit. Alors, Garmide de regarde. Dragon rose blanche en rare et dragon méca vermillon en ultra rare. Ok. Je sais pas si c'est bien ou pas. Ok, bon là, je crois que je vais avoir de la chance sur cet unboxing. Dracozuer. Attends, quoi? Dracozuer Subterreur. Ah, Behemoth. D'accord, c'est vraiment Subterreur. On sera zombie. Asie métaphysique et 2X Crawler. C'est celle qui est là. C'est dans les cartes ultra rares potentiellement gagnables. J'ai de la chance. Alors, Snapdragon. Ok. Plante effet lorsque cette carte tombe au cimetière jusqu'à la end phase, bannissez une carte au hasard depuis la main sur votre adversaire. Ça peut jouer bannissement. Oh, Madrake de la dragon. Oh putain. Lumicistron. Pourquoi elle a autant d'étoiles? C'est qu'on voit pas les effets. On pourra voir en détail tout à l'heure. Absorption de l'âme. Si une ou plusieurs cartes sont bannies, gagnez 500 life points. D'accord, ok. Ça joue vraiment pour les decks de bannissement. Nuée de corbeau. Exécuteur métaphysique et retour prématuré. Oh. Kaiba intérieur. Snapdragon à nouveau. Alors, Prominez de Ragard. Et récepteur crawler. On va voir tout en détail tout à l'heure. Allez! Est-ce qu'on y croit? Fleur nécro, Ryo Kami, dimension métaphysique en ultra rare. Ok, je crois que c'est une carte qui s'ajoute, qui s'active quand l'adversaire invoque SP en fait. Donc, Grindelrose démoniaque, Prominez Dragard et D. Lakuda. Zombie, c'est un chameau zombie. Ok, pourquoi pas? Alors, fleur synchronique. Louvre distante, la carte est super belle. Et Guyal le Crawler. D'accord. Tracoribo. Gardner Spectral. Modification des ténèbres. Et Dragon Rose Blanche à nouveau. Ok, donc on a nos 10 cartes. Donc 2 ex-crawler qui étaient pas mal. Dimension métaphysique. Dragon Méca Vermillon. On a eu des cartes sympas. Hein. Je cherche le monstre que j'avais pas réussi à lire tout à l'heure. Celui qui avait plein d'étoiles. Voilà. Madrake de la Dragarde de l'héritage du monde. Tous les monstres contrés par votre adversaire perdent 500 d'attaque et défense pour chaque carte, pour chaque monstre dragon que vous contrôlez. Après, vu que c'est Speed Duel, enfin, c'est Duel Link, c'est comme le même format de Speed Duel, c'est que 3 monstres, donc bon. Je pense que ça va être beaucoup plus utile dans un autre type de deck. Allez, bon, on n'a pas eu la carte que je voulais, c'est-à-dire celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Je voulais les 3 cartes là. Dragon rose noir, dragon noir légendaire et dragon bébé dragon aux yeux rouges. C'est 3 cartes que je recherche. Après, j'avoue, j'ai pas vraiment tout regardé, mais je crois que. Je crois pas qu'il y ait de choses. Autre dont j'ai besoin. Non. Ah, il me semble avoir vu. Non, j'ai cru rêver. J'ai cru que c'était vers chez Carotte. Soldat Carotte. Allez, c'est parti, on en reprend 10 de plus. Souhaitez-moi bonne chance. Allez, petit Kuribo. Alors, Dracozuer, Subterreur Behemoth, Gardena Spectral et Sorcière de la Rose Noire. Ok. Kaiba, Garde de Rose Maniaque, Fleur Synchronique et. Ok, Axon Crawler.
finir par faire un deck roller, alors que j'en veux pas. Dragon rose bleu, sorcière de la rose blanc. Et oh, dragon rose blanche, en rare. Un de plus, un de moins. Alors, stalagmo souterrain bémot, dragon infuseuse et reine angélique de la rose. Je pense que je vais pouvoir faire un deck de la rose après. Ryokami, Zedon et sorcière des fleurs. Louvre distante, Hercule Quagar et Ult. Putain, c'est quoi ce nom? Ultra Mafu Subterrain Bémot. 3008. Monstre flip! Spéléologue Subterrain Bémot. Putain, tous les Subterreurs, ils ont voilà les étoiles. Guerrier Némésis Subterreur. Ah bah non. Et Stigo Kraken Subterreur Bémot. Pas plus ferme hein, comme nom. La révolution globale est finie. Lapinilla, ok, alors un monstre à une étoile. Non, alors par contre, sa défense à 2050 de défense. Pour un monstre normal, ça va. Mais. Ça lapin. Et dès la coude, ok. Allez. Dragon armée métaphysique. Stalago Souterra Bémot. Et Androïde magique, ok. Un monstre synthoniseur, c'est psychique, ok. Ok, ça va. Cardinal spectral, dragon infuseuse, et absorption de l'âme à nouveau. Ah, c'est déjà fini. On n'a pas eu beaucoup de trucs de nouveau, mais... Si le lapin... Lapinia. La description, un lapin ultra gourmand, il est à la recherche de la plus délicieuse carotte dans le monde. Des fois, je me dis où est-ce qu'ils vont chercher tout ça. Bref, donc il me reste 169, donc je ne peux pas en prendre 3. Allez, on en achète un. Bon. Oh, avec de la chance peut-être, facteur métaphysique. Dragon tireur métaphysique, pourquoi pas, sympa. Affrontement de l'héritage du monde. Ça va, surtout pour l'affrontement de l'héritage du monde si je dis pas de bêtises. Bannissez un monstre face recto que vous contrôlez, puis ciblez un monstre face recto contré par votre adversaire, la cible perd une attaque défense égale à l'attaque défense d'origine du monstre banni. Voilà. C'est une carte qui peut sauver de plusieurs situations. Nice. Allez, on ouvre les deux derniers packs. 8. Petit Kuribou. Dragon armée métaphysique. Prominesse Dragarde. Et retour prématuré. Ouais. Pas de quoi casser 3 pattes à un lapin. On parlait de lapin, on a une magnifique carte lapin. Château dans le ciel. Monstre synchro à 3000 de défense. Un syntoniseur et un monstre non syntoniseur. Donc là, par exemple, le lapin. Dragon armé métaphysique. Ok. Wyrm. Et Ultra Mafu Subterra Behemoth. Ok. Bon. Je n'ai pas eu ce que je voulais. L'objectif Dragon Rose Noir est échoué. Mais au moins, on a ouvert quelques boosters. C'était sympa. En tout cas, j'espère, les amis, que ça vous a quand même un peu plu. Parce qu'on fera de temps en temps des petites ouvertures comme ça sur Duel Link. Et je pense même des petits matchs. Peut-être transcrire. Ce week-end, l'événement qu'il va y avoir. Donc, je vous invite à rejoindre le Discord ou à me demander un MP ou autre. Le petit tournoi qu'il va y avoir samedi en interne, petit tournoi amical qu'on va se faire entre nous. N'hésitez pas à venir sur le live, ça va être sympa. Je fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Salut !